Alors, on un était. Un panel d'émotions. Voilà. Qui pouvait aller de la joie à la mauvaise humeur, à. Enfin, tout ce que le golf, je pense, puisse amener comme sensation. Parce qu'on devient un peu foufou quand même, on devient un peu dingo hein, quand on est. Enfin, toi, tu golfes pas, mais moi, je golfe, je te le dis, ça dégoupille. Voilà. Donc, en fait, c'était un peu d'avoir un panel de toutes ces émotions à la suite. Moi j'aime bien surjouer la colère, venir en mode vénère, parce que c'est ce qui m'arrive le plus souvent finalement, d'être très vénère. L'euphorie je l'ai pas encore, l'état de doute je l'ai un peu, ouais, mais surtout la colère quand t'as raté un coup, ça fait du bien parce que du coup tu peux insulter alors que j'aime un parcours. Bah certaines émotions plus que d'autres. Tu vois l'euphorie à la fin c'est pas facile parce que c'est pas trop un état que tu connais souvent. Disons qu'après ce genre de truc il faut se mettre dans l'ambiance. Il faut se mettre dans l'ambiance, c'est pour ça que non, moi j'ai trouvé que c'était plutôt bien parce que justement il y avait tout ce côté la fumée et tout qui fait qu'à un moment donné tu te sens dans le la couleur de la musique et du coup tu arrives à un moment donné à t'imprégner du truc. C'est vrai qu'après c'est pas évident de créer des émotions en photo en tout cas. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait? Ouais, c'est sûr que c'est fini, moi je vais y passer la journée là, j'ai encore plein de choses à montrer là. Allez, on continue.